Hello tout le monde, aujourd'hui on se trouve avec Chop Chop et j'ai décidé de faire donc cette petite vidéo et ce n'est pas du fake, je vous montre comment voir Epona, les pics et cheval que l'on trouve dans Zelda par rapport à Ratei, vous montez direction Neuf et là je vous montre comment avoir ce magnifique cheval. Alors moi la première fois je me baladais, j'ai découvert cette écurie, je me suis dit bah, tiens donc on va voir les chevaux qui apparaissent ici, enfin les chevaux qui apparaissent ici, excusez-moi. Hein. Vous arrivez là dans cette écurie, vous voyez déjà à l'extérieur il y a plusieurs chevaux. Et en fait, il y a vraiment plein de clins d'œil à plein de chevaux connus dans le monde hein, réel, hein. Il y a vraiment plein d'easter eggs. Et bon, la première fois je me suis dit, oh ce serait trop cool, t'imagines il y a Epona. Et ben, ça a été la belle surprise pour moi, car Epona est vraiment disponible dans le jeu. Alors, juste pas que je me perde, hein. Donc, vous arrivez dans cette écurie, je me perds, hein. Venez là, vous allez jusqu'à là-bas au fond. Tac, vous allez tout droit. Donc il faudra évidemment de l'argent, hein, ou avoir de l'audace pour voler Epona, hein, tout simplement. Vous avez envie de voler Epona, vous en avez le droit. Hein. Ouais, ça sera à vous de vous arranger avec les autorités, hein, comme on dit. Maintenant... on va rusher. Tac. Alors, il peut être à l'intérieur, en tout cas il peut être à l'extérieur. Durant cela, je pense qu'il va être à l'extérieur. Tac. Et là, quand vous vous rapprochez de là, vous déjà vous commencez à le reconnaître. Moi j'ai vu le cheval, j'ai fait ah mais tiens c'est Epona. Et là vous cliquez dessus. Et... magnifique. Epona, il est là. Ce n'est pas une blague. Donc si vous appuyez sur X, examinez le cheval, donc vous pouvez voir ses stats. Pour faire un petit clin d'œil aux autres chevaux, vous avez ici Comilla, vous avez ici 3, par rapport à la ville de 3. Vous avez ici Pulpar, Bucéphale, et ça c'est, je crois que c'est le cheval le plus rapide qu'il y a dans le jeu. Alburac. Maintenant pour l'acheter, c'est pas compliqué, parce que j'ai mis un petit moment à trouver. Hein. Je vous donne le tips. Vous prenez direction de là où on vient. D'abord en face, on est dans la maison. Tac, 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 tac. Ah. Pour laisser le temps à mon personnage d'y arriver. On y est presque. On y est presque. Voilà, on peut calmer le sprint. Allez, on peut resprint. Et vous allez chercher. C'est drôle hein, quand même. Hein. À votre avis, qui est-ce qui vend Epona? Eh ben, c'est Zora. Et c'est pas une blague. Hein. La personne qui vend Epona s'appelle Zora. Donc, oui, double clin d'œil à Zelda. Tac. Donc là, on va chercher. Il y a Jacob. Hein. C'est lui qu'on cherche. C'est pas lui qu'on cherche, c'est pas la villageoise qu'on cherche, où est Zora? Il y a Michel. Excusez-moi. C'est moi, j'ai une arme. Et comment l'acheter? Merde. J'ai deux noms sur cette arme. Ah, elle est là. Elle est juste là. Là, Zora. Parlez à elle. Je souhaiterais acheter un cheval. Je souhaiterais vous acheter un cheval. Tant mieux. Il faut absolument voilà. Qu'on fasse de la place. Elle veut... vous pouvez l'acheter direct, hein. Pas besoin de mission, pas de prairie, c'est fait. Déjà fait. Ce sont de magnifiques animaux. Les meilleurs. Est-ce qu'il y en a un que vous appréciez tout voilà. Particulièrement? Et là, vous choisissez donc Epona. C'est un tier 2, hein. Très bon choix. Vous savez jouer de la flûte? Quoi? Non. Quel est le rapport? Alors, attendez-vous à en baver avec. C'est un bon cheval, ça ne fait aucun doute. Mais il n'écoute rien d'autre que la flûte ou le pipeau. Et voilà, là, vous savez qu'il vaut 1330 pièces d'or pour avoir Epona. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de voir qu'ils ont fait ce petit easter egg. Un gros bisou et n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch pour la suite de mes lives. Ciao, ciao!